Bien, Samir, évidemment, une question qui me paraît légitime. Hein. C'est une lourde défaite ce soir. Comment vous l'expliquez, tout simplement? C'était trop fort, Blois, ou c'était Le Havre qui n'était pas dans son assiette? C'est Blois qui est trop fort et Le Havre qui est pas au niveau, tout simplement. Comment vous l'expliquez? Il n'y a pas d'explication. Il y a une équipe qui est première du championnat, une qui est 15e. À partir de ce moment-là, si tu commences le match en jouant sans envie, et tu ne gagneras pas. Vous étiez trop moyen ce soir face à une équipe comme Blois? Ouais, on était trop moyen face à tout le monde. On était trop moyen. Donc, c'est normal. Vous sent amer, particulièrement déçu là. C'est, ouais, c'est une grosse claque. C'est une claque, c'est une claque. C'est une grosse claque, c'est normal. Ils sont plus forts. Mais c'est surtout le contenu qui m'agace. C'est-à-dire? Le contenu, les attitudes, la façon de faire, ça j'aime pas. Tout le monde n'est pas dans le même sens chez vous là? Je pense, ouais. La preuve. Je prends des branlées. Il se passe rien de toute façon. Donc bon, si on continue comme ça, on va aller voir ce qui se passe en dessous et puis voilà. On vous sent encore une fois amer et même inquiet pour la suite des événements. Là, il ne reste plus que 5 matchs, quoi, je pense, ça se précise. Hein. Ouais, c'est sûr. Il y a un club à sauver, tout simplement. Après, on va essayer de relever la tête pour samedi, on verra bien. Vous allez rencontrer des concurrents directs là, sur le maintien, sur la fin de saison ou pas? Bon, tout le monde sera difficile à jouer, donc peu importe qui on va rencontrer, de toute façon, pour nous, chaque match est compliqué, chaque match sera dur. Donc il ne faut pas trop calculer maintien ou pas, concurrent ou peu importe. Oui, mais dans la question qu'il voulait te poser, c'est est-ce que ce sont des équipes qui sont actuellement à votre niveau ou des équipes qui sont un peu mieux classées? Pas d'équipe à votre niveau, on est vers les derniers. Au niveau du classement, oui, ouais. Sur les 3, 4 dernières équipes. Alors, on va jouer Quimper à la fin du championnat. Ouais. Après, le reste, ils sont tous au classement meilleurs que nous. Oui, donc Quimper, ça sera aussi quand même la victoire indispensable. Oui, mais avant ça, on a d'autres matchs avant Quimper. C'est le dernier match de la saison pour vous. Ouais. Et juste une dernière question par rapport à la prestation de Blois. Vous attendiez à ce genre d'équipe? Parce que cette équipe de Blois, c'est la surprise de la Pro B quand même. Oh, c'est une très belle équipe. Hein. C'est une très belle équipe qui joue bien au basket. Ça fait, je sais pas, ça fait 3-4 ans que je joue contre eux maintenant. Ça a toujours joué très bien au basket. C'est dans la continuité. Ça se passe le ballon, ça s'encourage. C'est du beau basket, tout simplement. C'est une équipe? C'est une équipe, tout simplement.